actuellement, je vous autorise beaucoup de choses, mais par contre, vous m'autorisez rien. À part, oui, parler avec le VIP, c'est Ah sûr, si, mais bon. ça va être fait, ça va être fait. Tout ce que vous demandez, ça va être fait. C'est juste qu'à l'heure Attendez, j'aimerais actuelle, pour bien la être survie du sûr VIP, c'est ce que je de vous pas demande. m'être planté. Les vilains, là, ils veulent bien savoir Moi, une je vous opportunité impose mes parce qu'on est conditions, vous m'imposez vos VIP, conditions, c'est-à-dire et après, tout se c'est quoi passera. son C'est juste métier, que là, comment c'est il un est, état etc. d'urgence. Ouais. De toute façon, je sais que je peux garantir ma sécurité, donc dans tous les cas, ça peut se faire. Alors, attendez, parce que du coup, c'est un vrai zoo là dans ma radio. Je suis désolé. J'ai une question. Ok. Pardon, hein. Monsieur, j'ai une Oui. question. Ça va être sur place, du coup, votre pour le VIP. Vous avez un Chaud, chaud, moment chaud, de chaud, réserver. chaud, 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 j'ai un truc à dire. Laisse-moi faire sur place. Il y a Est-ce des que tu médecins dans peux dire au l'ambulance. Venex, c'est normal si. Comment dire? Où est-ce que vous êtes là? Il y a un petit trou pour passer là? Et c'est Mais en tout normal que cas, moi, l'ambulance va là, parce que nous, on a fait un gros si vous blocus. voulez, Parce que nous aussi, c'est on a avec fait des moi qu'il grillages est pour se là-bas, protéger. donc je reste avec vous, vous en faites D'ailleurs, pas. juste pour vous Du préciser, coup, si tu pouvais leur dire que c'est normal l'ambulance peut qu'ils tournent passer à dans la gauche pour petite essayer rue à droite, c'est normal. C'est d'arriver parce où est-ce qu'on qu'il ne est, peut pas ce serait accéder très gentil de le ta gros part. bloc au fond et il est obligé de faire le détour. C'est tout. C'est pour ça qu'il va passer dans Ah, la rue à la et droite. en fait, du coup, j'aurais une petite recommandation en plus à faire, vu que du coup, je vous en ai accepté une grosse. Vous en faites pas, c'est pas à propos du vieil, c'est à propos de ma sortie. Je veux bien Dites. sûr, je veux partir du coup de chez vous, bien sûr, sans que personne me suive, sans tracker, ou même sans alter de camouflage ou autre. Merde, donc vous voulez partir sans qu'il n'y ait personne pour vous arrêter. Ah, Je pense que c'est personne pour négociable. m'arrêter. Bien sûr. Effectivement, je pense que c'est possible. Mais c'est pas je pense, c'est Je reviens possible, 2 secondes. d'ailleurs. C'est compliqué. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Et lui, il est complètement con, lui. C'est un ennemi. Ça en est où là? Excuse-moi. Oui. Chuchote. Juste pour savoir, là il cherche à. Oui, donc pas chuchote. Là il cherche à avoir en face à face avec le VIP. Oui, Parce que il là c'est cherche à trop pouvoir risqué. parler avec le VIP. Oui, c'est pour ça que je gagne un maximum de temps pour qu'on puisse extraire le VIP. À ton avis, pourquoi je discute comme ça depuis tout à l'heure avec eux? Pas pour rien. Du coup, on est bien d'accord que le VIP va Excusez-moi, être soigné puis amené je suis avec en train de l'ambulance, on est chuchoter d'accord. avec mes collègues. Je vais Affirmatif leur laisser et passer de l'ambulance, mon côté, excusez-moi. Très je vais bien, faire très bien. partir le faux VIP Des de informations. la pièce. Des Et du informations coup, que je c'est quoi leur votre donne, je mission leur à dis vous? que l'ambulance va Je suis partir sans Drake. personne à l'arrière à part les médecins. Ok? Donc on va Ok, essayer de feinter sur enchanté ça pour Drake. pouvoir Moi, faire c'est partir le groupe. Si jamais il y a un héros Okay. qui peut Vous vous appelez entrer comment aussi vous? dans l'ambulance, au cas où que les vilains se décident, Ok, oui, ça me... qu'ils puissent nous je vais leur prévenir dire si jamais de... ça Je vais leur attaque. dire. Et aussi, tu me diras Mais quand un héros que qui est l'ambulance sera discret, hyper oui. proche, à quoi est-ce que je vais C'est quoi essayer de votre faire prénom? sortir le faux VIP de la pièce, s'il te plaît. Walking Ace. Ok. Okay. Sachant que J'allais voir l'autre équipe. pour les méchants, le VIP va rester à l'intérieur. Hein, je tiens à le préciser. Ah, il doit rester à l'intérieur! Ok, Il y a un d'accord, oui, ouais, c'est vrai, petit c'est peu vrai. le Bonjour. Bah, je vois qu'il y a un VIP doit petit rester à problème l'intérieur. là. C'est juste Vous n'en le faites vrai pas. VIP qui va Vous n'en faites pas, lui monsieur. partir en Je ambulance, crois c'est que. tout. Mais pour les méchants, le VIP ne sort pas. C'est pour ça. Vous êtes sûr qu'elle Ah, la déroule vous laissez le faux l'ambulance? VIP à l'intérieur. On a certains C'est bon, soucis pour la je lui ai dit cuisse. qu'il allait rester là, c'est bon. Ok. Vous assurez de l'autre équipe, l'ambulance est en train d'arriver. Vous en faites pas, ça Affirmatif. arrive. Ah, regardez, elle passe. Ah. Y a un problème de cœur. Très bien, bon. Drake, tu accompagneras l'ambulance. Très bien, très bien. Et tu viendras nous prévenir dès que les médecins seront pour repartir. Très Voilà. bien, affirmatif. Oula, Et attention à vous vous! soignez le VIP. Pimpon, 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 pimpon. Oui, c'est un peu c'est pas grave. Pimpon. Ah merde! La grippe! Elle s'est arrêtée dans le grillage, c'est pas grave. Et sortez, monsieur l'infirmier. Monsieur le médecin. Les médecins, faut passer dans la ruelle. Faut passer dans la ruelle. Faut qu'ils attendent et faut qu'ils se réveillent, le médecin. Parfait, venez. Oui, bonjour. Vous pouvez transporter l'ambulance dans la ruelle. S'il vous plaît. Très bien. Faut laisser un passage. Non. Ah, Non, non, derrière? non, Là-bas, celle qui est là-bas, là. là-bas. Oui.
là. Et une fois au bout de la ruelle, vous tournez à gauche. Le conducteur. elle bougera plus, je pense. Le conducteur, il est un peu con. Ouais. Il n'arrive pas à reculer l'ambulance. Je peux la bouger ou pas, vous pensez? Ah non, bah je peux pas, je peux pas vous aider. Non, je peux pas vous aider. Mais là, c'est pas moi le conducteur. Donc. Elle se déplace, ambulance. Vas-y. Allez-y. Je pourrai pas passer. Attendez-moi, venez. Ouais. Je le mets au fond ou de l'autre côté, l'ambulance? Faudrait que l'ambulance soit de l'autre côté, justement, et pas en côté de nous. Eh, venez. Mais ils foutent quoi avec l'ambulance, mais... Venez. Je sais pas, ils ont mis ça à le mauvais endroit. Ouais, c'est ça, en fait, l'ambulance, ils l'ont fait aller tout droit alors qu'elle devait tourner. Venez. Monsieur, vous allez d'abord contre le mur, monsieur, parce qu'on va vous fouiller d'abord pour être sûr que vous êtes bien l'infirmier. Est-ce que quelqu'un peut le fouiller? Moi, j'ai mon alter, je suis un peu fort, je vais briser ses os. Oui, je le fouille. Non, mettez-le. Vous pouvez le ranger, bien ranger l'ambulance pour qu'elle soit pas visible. Attends, je lève les mains pour vous montrer que j'ai pas. Didi. Il restera à côté de son ambulance, j'irai chercher le. C'est l'autre chose. Tu marques en arrière. Dis-leur que c'est normal s'il part, parce que l'ambulance est pas allée au bon endroit. C'est tout le monde, ça. Du coup, faudra que tu transmettes ta question. Je lui ramènerai moi-même. Ok, d'accord. Il y a déjà une ambulance. Il y a déjà une ambulance là-bas. Il y en a déjà une. Mais je vais péter mon crâne. On est à l'hôpital là, je crois. Je vais péter mon crâne, je m'en fous. Pourquoi il y a deux ambulances? Ça doit être mes collègues. Faut qu'on ouvre. Faut qu'on Après, il y a deux ambulances. C'est à cause de base, c'était l'ambulance, mais l'ambulance a fait un mauvais trajet. Du coup, je l'ai ramené. Mais si c'est pas de bonne ambulance. Voilà. Qu'est-ce que je dois prendre? Tu disais, pour être le plus efficace. Je dis, allô, moi, que ils veulent déjà évacuer le VIP. Ils sont déjà tous prêts et ils veulent directement l'évacuer. Oui. Alors, le VIP monte dans l'ambulance et l'ambulance repart, sachant qu'il faut juste un héros qui l'accompagne. Très bien, j'ai prévenu les vilains que l'ambulance repartira seul sans le VIP. L'extraire. Donc, faut pas qu'on attire attention. Hein, voilà, c'est pas le cas. J'ai juste fait des propositions. Ah, ok, parce que lui, j'ai proposé. Ouais, mais en fait, lui, il a proposé que je pouvais aller avec. Parce que je peux geler les ennemis et m'enfuir avec la voiture ainsi qu'avec le héros. Toi tu restes avec nous, justement. Voilà. Ok. Ok. Du coup, là, c'est Balkan et le VIP. Calme-toi. VIP, tu viens. Non. Non, j'en ai rien à foutre. Il faut un héros avec qui le héros. Le mec est avec lui, vous me suivez s'il vous plaît. Faut qu'il arrive à savoir. Est-ce que vous pouvez regarder mon setup? Non, asseyez-vous là sur la petite marche, asseyez-vous. Excusez-moi, vous savez pas ce que je dois faire? Je dois juste attendre à côté du... du fou. Vous avez le reste des barrières, le reste après ça vient pas de moi, vous pouvez en faire ce que vous voulez, les capturer ou autre. Je négocierai même pas trop par liberté parce que les portes de l'endroit sont fermées. Pour une intervention, ils seront arrêtés, ça c'est sûr. Et non, mais bien sûr, on vous les laisse. Mais voilà, je tenais juste à savoir si c'était vous ou non, si ça a influé sur les négociations et si jamais on les arrêtait, si ça a influé également. Comme je dis, je vois pas pourquoi j'aurais fait ça alors que je suis en mesure de force et globalement de faire exploser la ville. Effectivement. Moi, tous mes partenaires étaient derrière moi, je n'ai rien à... Ah, mais arrêtez de m'appeler, bordel. Je vais péter mon crâne, hein. Mais du coup, simple question, comme ça, tous les systèmes d'allumage, vous les avez sur vous ou c'est votre équipe derrière qui les a? Parce non, que si vous les non, avez vous sur vous, pas. C'est pas très sécurisé. Non, vous en faites pas. Je dirais pas. Non, pas. Alors, en fait, ce que je vais faire à l'heure actuelle, c'est que moi, j'ai deux télécommandes sur moi, mais aussi sur les autres. Bien sûr, il n'y a que moi qui connais l'ordre. Et en fait, sur cette télécommande, c'est une sorte de séquence à faire sur les boutons pour désactiver soit tous les explosifs. Vous êtes qui? Vous êtes de l'examen? Je suis pas de lui. Shadow, il reviendra pas.
Oui, Gekido pour la millième fois. Pourquoi il est seul contre 5 millions de personnes? Ah oui, j'étais avec lui, mais quelqu'un s'est infiltré. Non. Et sur les explosifs. Ouais, vous me passerez un de ces explosifs là, j'aimerais m'amuser un peu par la suite. Ça fera 250 000 yens. Ouais, j'y réfléchirai, je peux prendre votre numéro? Bien sûr. Ils sont en train de changer les Je vous laisse me le passer. Tenez. Ah, bien. Si. Ok, c'est bon, c'est noté. Bien sûr, si je tiens à préciser, hein, mais si jamais, une fois posé vos questions, vous décidez d'attaquer... Ah, j'ai décapé sur le champ. Non, vous en faites pas, j'ai décapé sur le champ, si vous jamais verrez plus vous décidez d'attaquer, vous serez mis à terre instantanément. Hein, nos équipes sont prêtes à cette situation. Non seulement je ferai ça, mais vous en faites pas que vous verrez, je tiens mes engagements. Je suis un homme d'affaires avant tout, et pas un homme de combat. Le combat m'ennuie. Bien. Mais du coup, la manipulation des gens m'amuse beaucoup plus. Aucune menace envers le VIP par lui-même, hein. Je tiens à le préciser. Aucune menace sera faite envers le VIP, bien sûr. Mais par contre, il faut qu'il réponde à mes questions et il faut son engagement aussi envers vous. Ah, je pourrais faire un bête de méchant, en vrai. Bon, je vais aller me renseigner auprès de mon équipe, je vais un peu derrière. D'accord, entendu. Ça se passe comment? Mais dans l'ambulance ou... avec un héros. Pour les talents de déguiser le VIP, c'est tout. Là, le VIP est parti avec déguisé de faire les premiers soins. Ok, le faux VIP, est-ce que vous l'avez déguisé tout ça pour qu'il ressemble vraiment vrai? Bonjour vous. Je vais le voir. Il faudrait m'expliquer. Dès que ça sera fait, vous me préviendrez. Dès que ça sera fait, vous me préviendrez. S'il vous plaît, pour le bilan. Du coup, il est déjà parti. Genre, là, il est à l'ambulance ou là, il est dans le camion? Ah, là, il est déjà parti. Il est plus dans l'ensemble du périmètre. L'ambulance est partie, si j'ai bien compris. Attendez, je vais aller voir, mais il me semble que tout est parti. Drake, tu surveilles. Si jamais ils bougent ou ils font quoi que ce soit, tu me préviens et je reviens. J'adore votre style. Oui. Parce que là, la question, c'est... Tu parles à cet homme avec les cornes. C'est vraiment super. Ouais, voilà. Le faux VIP, le truc, c'est que... Le temps que, du coup, il est accompagné là-bas, ou alors on... En gros... Mais là, attendez, mon collègue arrive. Le VIP, il est déjà, ou alors il n'est pas encore. Oui. Là, on va amener le faux VIP. Enfin, le vilain va venir voir le faux VIP. Il faut qu'il réponde à toutes les questions en donnant des fausses informations. Je vais rester devant. Bien sûr, le vilain, lui, apparemment, il est déjà déguisé. C'est bon ? Je t'en rien. Et dis-lui bien qu'il s'est pas inventé, ok ? Et qu'il doit pas négliger. Oui, bien sûr, il doit avoir une certaine peur de la personne qui est en face. Je reviens vivant. De toute façon, ma vie, c'est ma priorité. Par contre, allez à côté de l'équipe. Bien, du coup, monsieur le vilain, c'est bon, tout est prêt. Le VIP a été soigné, l'ambulance est repartie. J'ai eu la confirmation, je sais pas par où, mais ils sont repartis. Je vais pouvoir vous amener voir le VIP. Bien sûr, j'arrive tout seul comme promis. Voilà, je vous laisse venir. Allez rejoindre l'équipe. Je vais ramener la personne vers le VIP. Évitez de parler dans la radio, passez-leur le message. Très bien. C'est bien ou pas? Négatif qu'une personne, ça a été dit. Non, viens. Ah ouais, c'est vrai. Viens, on repart. Ils sont en train de se barrer les... Oui, pour l'instant ils se barrent parce qu'ils ont dit qu'une personne avec le VIP. Avec le faux, vous avez... Là, actuellement, on va peut-être leur casser la gueule, attendez. Quoi? Vous allez leur casser la gueule? On a évacué l'otage en fait, là actuellement le vrai otage est évacué là. Ah, c'est très bien ça, c'est parfait. J'étais même pas au courant, vous savez, putain je parle, je me dis ça va se terminer quand? Bien. Parfait. Bien sûr. Vous pouvez juste demander au héros de se mettre dans votre base parce qu'il se rapproche vachement de moi. Pour quelle raison? Juste avant, je peux. Il ne sert à rien de se rapprocher. Il va désactiver toutes les bombes et tout ce qui nous menaçait jusqu'à maintenant. Ça sert à rien de vous rapprocher.
Ça ne sert absolument à rien de vous rapprocher. Reculez-vous vers la base. Vous avez discuté un peu? Oui, mais là, c'est la fin. On est sur la fin de la négociation. Il désire que vous reculiez légèrement parce que vous vous rapprochez beaucoup, apparemment. On sait, mais on a juste un truc à te dire important, vite fait. J'arrive, monsieur, lui-là. Vous êtes un pro des bombes, alors? Je suis plutôt diplomatique, je suis un cerveau, voilà. Je ne suis pas un combattant. Mais par contre, je ne suis pas moins très puissant. Vous êtes stratégique alors? Bien sûr, à ton avis, pourquoi j'aurais monté ce plan à l'eau? Regardez, je suis rentré, je suis sorti comme si de rien n'était. Par contre... Bien, du coup, vous pouvez donc tout désactiver? Je vais commencer à désactiver les premières parties. Je regarde juste que vos copains n'approchent pas trop de moi, parce que je me sentirais menacé. Comme je dis, je ne suis pas un combattant. Quand même astucieux comme technique, et c'est via votre téléphone que vous désactivez tout. Alors, vous savez, alors non, mais je suis pas avec les téléphones, moi. Je suis par radio. Les radios, je ne les ai pas bloqués, sinon vous pourrez pas parler avec les autres. Bah, bien sûr, oui, effectivement. Bon, oui. Par contre, oui, parce que entre le signal et le hertz, vous n'êtes pas sur la même fréquence, mon cher. J'ai désactivé au moins les communications, mais par contre, les bombes sont encore là. Je vais vous demander, pour désactiver les bombes, juste de m'accompagner derrière vos barricades là-bas. Ok, donc vous souhaitez que je vous accompagne jusqu'à la barricade, ensuite désactiver et on part chacun de notre côté, c'est ça? Bien sûr, c'est ça. Bien, maintenant nous sommes derrière les barricades, je vous laisse désactiver les bombes. Chose promise, chose due. Allez-y. Alors, je désactive les bombes. C'est compliqué. J'ai réfléchi. Il n'y avait pas moyen de le baiser. Si, il y a moyen. Mais après, c'est trop. Vu que mon art du combat est un peu nul, je veux dire, je tape fort, mais je vise très mal. Je vise le sol. Allez, je le sais. Bien. Hop. Parfait. Allons-y. C'est qui les deux? Ils ont désactivé tout. Vous pouvez y aller. On y va. Ils essaient simplement de pour information, ils ont tout désactivé et tout est prêt, donc vous pouvez aller au combat. Je te jure que là-bas, ils sont sûrs et certains. Et les vilains ne viendront pas, les protections ne servaient qu'au début. Donc faut aller sur eux et les démonter. Voilà. Moi je sais rien d'y aller, je vais me faire pour aller. Les gars, allez tous au combat là. Tous au combat. Bon allez, j'y vais, mais ils sont sortis. Ils sont sortis, hein. Ils sont partis, je pense. Ouais, ils fuient en arrière, faut les suivre. Je pense pas qu'ils vont les suivre, on va pas attaquer dans plein UAI. Bon, moi j'attaquerai pas, hein, parce que si on, gars, fait des, on fait des dégâts dans les bâtiments, c'est si pas on attaque à plein UAI, les gars, vous allez vous faire retourner. Hein. Oh putain, vous cassez les couilles. Le test vient de s'actualiser, merci. Vous êtes positif à la LSD. Pousse-toi. Mettre un endroit pour tout. Est-ce que tous les élèves m'entendent? Affirmatif. Oui. Affirmatif, monsieur. Sur les coups, je vois que dalle. Ah mince. Ouais. Essaye de vous mettre au milieu un peu. Bon, je vais faire pour un doubling. Alors, je viens de dire ouais. Merci de vous taire. L'examen se termine du coup maintenant. Je vais corriger du coup toutes les épreuves qui ont été faites par vous. Je vous remercie pour votre implication et du coup votre sérieux. Je vais vous rendre vos affaires personnelles telles que les téléphones et vous du coup vous laisser repartir faire vos occupations. Vous aurez les résultats en fin de soirée ou demain, tout dépend si j'arrive à tous vous corriger ou pas. Et nous ferons sûrement une cérémonie pour les montée de classe, hein, ne vous inquiétez pas, avec peut-être, si le professeur le veut, un petit repas.
pour vous, pour vous féliciter. On fera ça possiblement ce soir ou demain, assurément. Demain. Le repas, ça sera plutôt demain. Vu l'heure, je ne peux pas demain faire... Demain vers quelle heure, parce que...